tu es en galère de crédit, rends-toi sur le site futcoinking.com, il y en aura pour pas cher, tout est dans la description. Et bien salut les amis, c'est Clopu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un squad builder spécial Saint-Patrick. Donc comme vous le savez, ce week-end il y a la coupe Saint-Patrick. Donc pour participer, il faut avoir soit 18 joueurs de République d'Irlande, soit 18 joueurs d'Irlande du Nord, ou soit 18 joueurs d'Airtricity League. Donc pas de mélange, hein, 18 de l'un ou 18 de l'autre. Donc je vais vous présenter ma petite équipe République d'Irlande. Donc avant tout, je voulais juste préciser que si vous voulez voir la compétition en vidéo, comme c'est pas une série ni rien, laissez-moi ça dans les commentaires, je vous posterai la vidéo dès demain. Donc si vous voulez voir les matchs, etc., que j'ai pu réaliser avec cette équipe pour gagner le titre, bah venez dans la description, vous me dites, ouais on aimerait bien voir, machin machin. Et puis demain les gars, je vous posterai la vidéo, il n'y a pas de problème pour ça, vous savez que je vous écoute au maximum. Donc maintenant on va arrêter de parler et on va tout de suite commencer par la création d'équipe. Donc on va juste régler la nationalité. Il y en a qui vont dire que c'est pas très original parce qu'il y a tout le monde qui fait ça. Mais moi j'avais aussi envie de vous présenter ma petite équipe que j'ai pu réaliser. Tout simplement parce que c'est le week-end spécial Saint-Patrick. Et voilà, donc j'avais envie de vous faire plaisir. J'espère que ça vous fera plaisir en tout cas les amis. En tout cas moi ça me fait plaisir de vous poster cette vidéo. Donc on commence par le gardien, c'est un argent Westwood. Donc le gardien de Sunderland, il a très belles stats pour un gardien argent. Franchement pour une Barclay Premier League même en argent. Franchement il est patate ce mec, 1m88, 50 de vitesse, 70 de positionnement, 74 de dégagement, 73 de jeu à la main, 78 de plongeon, 79 de réflexe. Donc franchement très 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 complet pour un joueur argent, franchement rien à dire de plus. On passe aux deux défenseurs centraux, la charnière, donc on a Keogh. Alors Keogh c'est aussi un très bon joueur hein. 1m88, 70 de vitesse, 71 de défense, 73 de tête, c'est exactement ce qu'on recherche chez un défenseur central. Il a même 64 de passes pour les relances pour un joueur argent, c'est plutôt pas mal. Et puis je l'ai acheté 3700 crédits. Je tiens à préciser que l'équipe je l'ai pas forcément faite avant la coupe Saint-Patrick, parce que là-bas j'avais pas prévu de le faire. Et après j'ai vu que la récompense de la coupe Saint-Patrick c'était quand même 15 000 crédits plus un pack à 15 000. Donc je me suis dit allez on va la faire quand même, on va pas laisser passer ça si on a une chance de remporter un petit pack et des crédits. Donc voilà, donc c'est pour ça que les prix sont peut-être un peu exagérés. Enfin bref, je voulais quand même vous présenter cette équipe. Donc on a ensuite Gunning en défenseur central à gauche. Donc Gunning c'est un joueur argent, il est franchement monstrueux. Les stats qu'il a et ça fait rêver, 1m88, donc on a vraiment une charnière assez grande et c'est ce que je recherche. 77 de vitesse, 77 de la tête, vraiment très très complet ce joueur là. C'est vraiment une charnière très complète. Un peu moins rapide à droite, un peu plus rapide à gauche, mais franchement c'est très très complet. Ensuite, passe au défenseur droit, il s'agit de Coleman. Donc Coleman qui a été up en or. Il était argent à la base de FIFA 14. Donc, vraiment très belle stat également pour 1000 crédits. 83 de vitesse, 76 de dribble, 76 de défense, 74 de passe, 68 de la tech, donc de la tête. Donc encore une fois, un très bon ailier, un très bon défenseur gauche, un défenseur droit, un très bon latéral qui permet de relancer les ballons proprement. Et franchement, très très bon joueur. On passe au défenseur gauche, il s'agit de Cunningham. Donc Cunningham, je l'ai pris parce que voilà, il a très belle stat pour un joueur qui a que 66 de général, 77 de vitesse, 67 de tête, 65 de passe. Ça reste un joueur argent non rare, donc voilà, il n'y a pas non plus de truc spécial pour le concernant. On passe aux deux milieux centraux. Donc à gauche, nous avons Gibson. Et à droite, comme vous l'avez vu, nous avons McCarthy. Donc on va commencer par McCarthy. McCarthy, voilà, est très bon joueur pour 600 crédits. Il a 4 étoiles de mauvais pied qui sont vraiment très intéressants. 71 de vitesse, 76 de dribble, 76 de pas. Donc c'est vraiment un bon milieu. Il est très bon joueur, il fait de magnifiques passes. Vous avez vu, un 4 PS décisif, c'est pas pour rien que je le dis. Et Gibson, c'est pareil. 4 étoiles de mauvais pied comme McCarthy. 60 de vitesse, 68 de tir, 80 de passe, 77 de dribble, 74 de dribble, 74 de défense. Donc lui, il est un peu plus défensif. Mais franchement, pour 350 crédits, voilà, c'est le pied, quoi, tout simplement. Donc on passe au milieu offensif. Il s'agit de Houlahan, pardon. Alors je l'ai pris tout simplement parce qu'il a les 4 étoiles de gestes techniques comparé à Ireland. 700 crédits, 71 de vitesse. Il a vraiment une très belle accélération ce joueur-là. Il a 80 dribbles, 71 de passes. Donc c'est vraiment assez complet. Vous voyez ses stats. Hein. 3000 offensifs de ce calibre-là. 2 buts, 3 passes décisives. C'est plutôt pas mal. On passe au milieu gauche qui n'en est pas un. À l'attaquant gauche qui n'en est pas un. C'est un milieu gauche. Excusez-moi, je m'en mêle un peu les pinceaux. Pilkington. Alors Pilkington, voilà, 4200 crédits.
4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Il est droitier, il joue à gauche. C'est ce que je recherche. Donc voilà, 76 de vitesse, 73 de dribble, 71 de passe, 75 de dribble. Donc vraiment un joueur encore très complet pour un joueur argent. 10 matchs joués, 3 buts marqués, 4 passes décisives. Voilà, très bon joueur. On passe à l'attaquant droit. Il s'agit de McGeady, transféré à Everton. Pour acheter 4000 crédits, 10 matchs, 3 buts, 4 passes décisives, 5 étoiles, 2 gestes techniques. Donc il y a moyen de faire un peu de skills. Vous allez voir aussi avec le buteur, il y a moyen de faire un peu de skills si vous êtes si vous êtes pas mal. 4 étoiles de mauvais pied, 89 de vitesse, 71 de tir, 86 de dribble, 75 de passe. Très bon joueur, franchement à conseiller, même si c'est pour juste une Barclay ou vraiment à conseiller. Et le buteur, il s'agit de Stokes, qui existe aussi en version boost. Mais voilà, version boost, j'ai pas envie de payer 200-300 000 crédits pour l'avoir, alors que lui fait très très bien l'affaire. Franchement, ce joueur, il m'a vraiment épaté. Il est vraiment très très bon. Regardez, 10 matchs joués, 14 buts, 3 passes décisives. Voilà, 4 étoiles, 2 gestes techniques. Donc, il y a vraiment moyen de se faire plaisir pour 6000 crédits. 80 de vitesse, 73 de tir, 72 de dribble. Il a même 70 en tête. Très très complet ce joueur-là. Donc, les gars, j'espère que cette petite présentation d'équipe spéciale Saint-Patrick vous aura plu. Donc, si vous voulez voir la compétition en vidéo dès demain, bah, laissez-moi un commentaire et je verrai ce que je fais en fonction de ce que vous avez envie, tout simplement. Donc laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo avec vos potes. Abonnez-vous à ma chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Clopy. Bye tout le monde.